this house until we knock it down. So turn the volume loud. I said, split into the haters. Or maybe make just like cake. Better let yourself go. Let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. Salut, salut à tous, c'est Monsieur Wico et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rugby Change 2. Donc aujourd'hui c'est encore une vidéo de la série à domicile de Toulon. Cette fois-ci c'est contre Perpignan, la semaine dernière c'était contre Bordeaux-Bègles. Et donc aujourd'hui ça va être un beau match contre l'USAP, les Harlequins français. Alors, la semaine dernière, j'ai remporté contre Bordeaux-Bègles. Est-ce que je me rappelle 19 à 14, je crois. Faudrait que je vérifie, mais ouais. Ça a été un très beau match. J'avais dominé, etc. Donc, cette fois-ci, toujours au stade Mayol. Difficile, 5 minutes, jour, beau temps. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, si vous voulez voir mes autres vidéos, il suffit d'aller dans la description. Il y a toutes mes autres vidéos. Sans exception, hein. Il y a le montage, un beau montage sur l'UR sauté, c'est We Have a Dream Forever. Il y a aussi un montage sur Jean-Charles Orioli, plutôt marrant, je vous laisse voir. Et il y a aussi des vidéos, des résumés de matchs, etc. Alors, pour cela, vous allez dans le petit carré en haut, mon logo, vous en profitez pour vous abonner. Non, je vais vous. Faites comme vous voulez. Et puis vous cliquez, vous allez directement aller sur ma chaîne. Sinon, dans la description, il y a aussi le lien de ma chaîne YouTube. Allez. Donc, c'est parti au stade Mayol où la foule est venue aussi en grand nombre et où on voit les joueurs rentrant sur le terrain après avoir entendu le pilou-pilou que l'on n'a pas entendu. Non, je rigole. Et donc, c'est l'heure de la composition avec toujours la même équipe. Comme je dis à chaque fois, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai pas de commentaires à faire. On change pas une équipe qui gagne. Par rapport à l'USAP, je pense qu'il faudra faire attention à Hook, qui pourrait être quand même très décisif, car il a quand même de bons pics, etc. Et à Camille Lopez, qui pourrait aussi nous jouer de mauvais tours. Allez, donc c'est Johnny Wilkinson qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et c'est parti! Abana va essayer d'être à la réception. Eh oui, c'est Abana! Allez, Rousseau, et ça commence d'entrée. Allez, Bakis Botam, Madigito Gastro, je vais aller un décalage sur le côté. Stephen Armitage, Cheval Armitage peut-être. Il repique intérieur, tant le genre a fui, il passe. Premier essai détourné après 5 minutes de jeu déjà. C'est l'euphorie au stade Mayol. Les supporters sautent de joie déjà après 5 minutes de match. Stephen Armitage marque le premier essai. On va voir Malguito Castro Giovanni qui fixe le joueur. Stephen Armitage qui avait le choix entre passe ou pas. Et le Rafio à leur demi de mêlée. Et peut marquer l'essai dans l'embut. Encore un joueur de grande classe, Stephen Armitage. Qui, si on l'avait gardé, aurait pu jouer en équipe de France car il est né à Nice. Allez. Enfin, il est peut-être pas né à Nice, mais il a joué au club de Nice. Johnny Wilkinson pour sa première transformation. Là, il en avait mis 3 sur 4 la semaine dernière. Et ça commence mal. Johnny Wilkinson rate la première transformation et porte le score. Et laisse le score comme il était 5 à 0. Allez, tout le monde, on fait une bonne entame de match, vraiment. J'espère que ça va continuer ainsi. Allez. Rousseau peut-être à la réception. Ouais. Allez, c'est Rousseau. Il fait une passe à Bruno. Bruno allonge pour Mathieu Bastaro qui allonge aussi pour Brian Abana. Brian Abana fait un petit coup de pied, il est plaqué, donc ne peut pas le suivre. Attention, attention, débordement sur le côté. Voilà, il est passé, il est passé. Quelle relance magnifique. C'est qui j'ai pas eu le temps de voir qui c'était, mais je crois que mes instincts sont... Ah non, je crois que c'était David Marcy. Je croyais que c'était... Comment il s'appelle? Hook. Ouais. Bon, c'est vrai que je connaissais pas, mais il a fait une très très bonne relance où il a enrhumé je sais pas combien de joueurs. Et donc il remet deux équipes à égalité. Hook peut. Et voilà, Hook donne l'avantage pour la première fois dans le match à Perpignan après 20 minutes de jeu.
Voilà, les Toulonnais, Brian Abana avait fait un bon petit jeu, mais s'est fait plaquer au dernier moment et n'a pas pu le récupérer. Il va se rattraper, j'espère. Allez, les Perpignanais récupèrent bien la balle et Matt Guiteau le met bien au sol. Allez, il joue sur... Oh là là, la corde à linge de Tewsbourne qui échappe de peu au carton jaune. En plus, il a contesté, mais c'est un fou. C'est un fou. Voilà. Il a eu chaud car... C'était quand même une grosse faute. Les Perpignanais ont choisi la pénale touche. Et ils trouvent une belle touche aux 10 mètres dans le camp de Toulon. Voilà. Et qui a fait la touche? Je crois que c'est Camille Lopez. C'est vraiment où que Camille Lopez Marty. Donc la première touche du match, c'est en faveur de Perpignan, mais c'est Toulon qui a récupéré. Mathieu Bastaroui décale pour Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, il a le choix. Il fait là, 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 il aurait pu donner, oh là, 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 là. Ça va peut-être coûter cher par la suite. Tewsbourne, Palisson allonge pour Bruno. Bruno pour Hermitage. Hermitage, il y a Brian Abonnage sur le côté. Il a inscrit deux essais face à Bordeaux-Bègles. Mathieu Bastaro, il tente de. Enfin, il fait la passe à Mathieu Bastaro qui est mis au sol. Allez, Tewsbourne. Allez, 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 allez. Jure. Tewsbourne va jouer sur le grand côté. Non, il joue sur le côté fermé. Peut passer à Brian Abonnage qui a plus qu'un crochet à faire. Ah là là! Il s'écroule juste devant la ligne. Ah là là, Brian Abana. Voilà, il s'écroule juste devant la ligne. Et voilà, et les joueurs... Oh, attention! On peut jouer! Ah non, Dylan Armitage n'a pas réussi à récupérer la balle. Enfin, on aurait pu continuer de jouer, mais bon. Donc c'est la mi-temps et c'est Perpignan qui va au vestiaire avec l'avantage. Mais pourtant, je domine. Enfin, ça c'est rare que j'ai de la possession et du territoire... À mi-temps, c'est plutôt en fin de match, mais là, 60% de territoire, 55% de possession, bon, 3 erreurs de passe, toujours une pénalité concédée, deux plaquages, ce qui fait que je suis beaucoup, beaucoup en attaque, enfin, mais pourtant, j'arrive à perdre. La dernière action a failli aller jusqu'au bout. Brian Abana est arrivé vraiment sur le bord de la ligne, il manquait peut-être quelques millimètres. Allez, oula. Oula, j'ai ma touche à bugger. Attention! Il a contesté Marty, il fait la passe à Vamine. Attention! Il y a un décalage sur le côté. Palisson, gros plaquage de Palisson. Ouf, 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 ouf. Derrière Armitage, sauf car un peu plus et le centre de Perpignan allait marquer le laisser. Donc touche aux 5 mètres pour Toulon. Allez. Je suppose que ça va être pour Bakis Botta. Ah là là, mauvais! Peut-être une mauvaise truc pour. Enfin, un lancer pas droit pour Sébastien Monod. Mais l'arbitre laisse l'avantage. Oh là là. Ça avance et ça avance et ça ne veut pas s'arrêter. Attention. Et ça ouvre. Attention, il faut faire attention à ne pas craquer. Oh là là, gros plaquage. Et Toulonnais récupère la balle. Oh là là, sur. Après un énorme plaquage. Allez, Tewsbourne, il joue. Avec Bakis Botta qui trouve l'ouverture. Brian Abana peut-être. Il fait le là. Oui, il a réussi à passer pour Matt Guiteau. Qui s'en va marquer. Il s'en va marquer Matt Guiteau pour le deuxième essai des Toulonnais. Matt Guiteau donne l'avantage aux Toulonnais après une superbe relance. Oh là là. Magnifique, j'ai envie de revoir l'action. C'était trop beau. Ah, dommage. On a vu la belle passe de Brian Abana pour le grand Australien, enfin le grand par rapport à la gloire, par rapport à la taille de Matt Guiteau, même s'il est quand même grand. Allez, je reviens. Allez, bon, c'est vraiment un grand essai. On va voir la transformation de Johnny Clinton qui pourra donner en tout 5 points d'avance. Allez, oh là 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 là, il va peut-être encore la rater. Oh là là, Johnny Green, je suis vraiment pas bon, hein, je vous le dis. Voilà, il raté. Et permet à l'USAP de rester à 3 points de Toulon. Allez, c'est William qui va être en dessous. Allez, c'est Williams. Avec Mazoé, ça joue encore. Johnny Wilkinson, Stephen Armitage, Matt Guiteau, oh là là, il a tenté la passe, attention, il est passé. Mathieu Bastaro, il fait le raffut. Voilà, et la passe pour Matt Guiteau, enfin une belle passe en arrière. Brian Abana, oh là là, oh là là, attention. Brian Abana bien mis au sol le joueur, vraiment, Brian Abana fait un gros match. J'ai envie de. C'est pas fini, mais. Allez. Les Toulonnais, ils peuvent rien, ils peuvent juste enlever le point de bonus à
Ah, lui, ça va pas aller. Même si je pense pas que c'est un gros danger dans le championnat. Ils arrivent pas à avancer, ils ont vraiment une grosse défense. Allez, oh, Mamad Gitto, il a failli trouver. Il a trouvé je ne sais pas qui dans son. Pardon, dans son trajet. Ils ont perdu la balle, attention, ça peut coûter cher. Ah là là, Marty part tout seul. Ah là là, ça permet d'essayer de contester, mais un joueur était déjà au contest. Allez, les Toulonnais peuvent récupérer la balle. Oh, nouveau turnover, les Toulonnais. Allez, Tius Band relance avec Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro pour Brian Labana. Eh, Brian Labana va-t-il croiser? Et il croise avec Matt Guiteau qui n'a pas réussi à passer la balle à Mathieu Bastaro. Et on retrouve encore Toulonnais aux 50 mètres. Allez, Palisson ah là là, en avant de Daixi Palisson. L'arbitre laisse l'avantage. Peut-être que ça va s'arrêter. Voilà, attention. Il y a encore David Marty. David Marty, il est passé. Il est passé. Et il n'est pas mis au sol. Allez, étonné, ça va peut-être coûter cher. Ou gros plaquage. Là, je récupère la balle. Je vais essayer de taper en touche. Bah, quoique. J'ai envie de jouer, même si c'est quand même dangereux. Allez. Allez, William, s'il va continuer à jouer. Avec ses palissons. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas réussi à faire la passe. Attention. Oh là là. Un nouvel en avant. Et Mazoué se couche sur la balle. Là, vraiment, je transpire, j'ai envie de vous dire. Et Brian Bala, encore un en avant. Ah là là. Oh là là. C'est dangereux. Ah oui, encore un en avant. Là, il y a. Ah, je sais pas pourquoi, mais dans le jeu, au bout d'un moment, ou à partir de la centième minute, il n'y a que des en avant. Vous êtes abeille, voilà. Un en avant, et c'est un avantage qui se termine. Et encore. Heureusement pour les Toulonnais car ils étaient en phase vraiment dangereuse. Même si bon, je comprends pas pourquoi il n'y a que des en avant en fin de match. Si on voit la stat, on doit être au moins en fin d'avant. Et donc c'est la victoire des Toulonnais de 3 points de peu, mais quand même une belle victoire. Je sais pas si on va voir. Pardon, l'homme du match. Qui pour moi est Brian Abana. Ah, on l'a vu, on a vu son numéro, il était encore sur le côté de l'image. On voit les Toulonnais qui sont heureux, ils viennent se féliciter car ils ont vraiment fait un gros match. On voit un peu les statistiques. Alors, vous pouvez voter pour les stats du match pardon, en mettant 1 pour Hermitage, 2 pour Marty et 3 pour Guito. Alors, erreur de passe 11, oulala, ça fait mal. 18 plaquages, ouh, quand même, ça a quand même bien joué, je pense. 58% de possession, un peu moins de territoire, j'ai quand même beaucoup perdu. Plagajo, bon, 6 frappes, bon, je vois pas d'où ça vient, je pense que. Ah ouais, il y a Brian Abana, il en a fait 2. Joe Wilkinson a fait ses 2 transactions, qui a raté de fait 2, bon, voilà. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner avec le petit carré en haut, ça me ferait le plus grand des plaisirs. Vous pouvez liker la vidéo et si ça vous plaît, ben, vous pouvez. Bah, lâchez un commentaire. Allez, salut, salut, salut!